grosse victoire ce soir. Comment tu sens, comment tu vis la victoire? Merci beaucoup. Je me sens merveilleusement bien, bien comme après chaque victoire. Et tout s'est passé comme prévu. Merci à tous, merci pour votre soutien. Et voilà. Thank you to everyone. Yeah, I'm fine. I feel good. And everything went exactly as we planned. And so I'm very happy. Thank you. A couple deep submission attempts that you weren't able to get the tap. Was it frustrating at all that you had him in these bad positions and you weren't able to get the finish? Il y a une tonne de submission que tu as essayé de faire, mais le gars ne tapait pas. Est-ce que ça t'a frustré à un moment donné de ne pas être capable de finir? Non, pas du tout. Pas du tout. Je m'attendais à peu près. Je m'attendais à tout. Je savais que ça pouvait ne pas passer, donc j'étais prêt. Je ne me suis pas mis à 100% dessus. J'ai serré, il n'a pas tapé, mais on a continué. J'ai essayé de placer d'autres soumissions ou passer à autre chose. Non, I wasn't surprised. I mean, I was expecting him to be tough. And I knew that in that level, you can try to submit someone and do not succeed. So I didn't give the 100%. And in the end, eventually finish him at some point. Yeah. Once you got on top and started landing the elbows, did you know right away like you were going to be able to finish it then? Or were you a little surprised that you were able to get it at that point? Quand tu t'es mis à envoyer les coups de coude, est-ce que tu savais que tu vas le finir ou tu te disais que ça peut ne pas passer aussi? Non, à un moment, j'ai senti que l'arbitre était prêt à arrêter, surtout quand il a crié, je ne sais plus ce qu'il a crié en anglais, il a dit quelque chose et je savais que ça, c'est une remarque. S'il continue à prendre des coups et qu'il arrêtait, je continuais, ça a marché. At some point, I knew that the referee was very close and he yelled something in English. I didn't know what that meant, but I knew that meant that he's about to stop the fight. So I just continue to give some high blows. It's, you know, obviously any victory is important, but it seemed like you were especially emotional afterwards. Was this an important win for you? Toutes les victoires sont importantes, mais on t'a senti un peu ému sur cette fin de combat. Est-ce que c'est une victoire importante pour toi, celle-ci? Oui, chaque combat est important pour moi, mais voilà, j'étais ému. Ça, c'est surtout le public. C'est le public qui m'a réveillé à la fin. Quand j'entends la foule, je deviens un peu fou. Et non, le public, c'est incroyable. C'est la première fois que je combats devant autant de spectateurs et ça m'a grave boosté. Donc voilà. Well, every fight is very important for me, but this one was special because of the audience. I mean, having the venue full packed like that, I was so pumped. And when I finished the fight, and the audience was like yelling, so I went crazy. I just I love the audience. I love people. I love people watching the fight. Peu importe qui est-ce qui soutient, tant que ça crie, ça me va. No matter who they are rooting for, whenever the rooting and the yelling, I love the it's okay for me. That's awesome. And last thing for me, obviously this was a win over a guy that had a reputation, a ranking. So what do you think should be next? I mean, are there opponents that you're looking for, or where do you feel like you should go next? Qui devrait être ton prochain adversaire? Qu'est-ce que tu voudrais faire pour la suite? Qu'est-ce que tu imagines pour la suite? Que des bonnes nouvelles. Je pense qu'on va me donner quelqu'un qui est devant, qui est classé devant moi. Donc aujourd'hui, j'ai gagné un top 11. Il est possible que je rentre dans les top 10. Donc ensuite, je sais pas, peut-être Hermanson, peut-être Bronson. Je suis prêt à affronter n'importe qui. Let's go. Well, I don't know. I think every news will be a good news anyway, because I hope they're going to give me someone above me. I just beat a top 11, so I think that I should get someone in the top 10, maybe the top 5, but I'm ready for everyone. Nasruddin right here. First off, just we know that Edmund had gone to a new camp and he's been making some changes with his team. Did anything about what he brought in the cage surprise you, or was different from what you expected in the tape? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce que Edmund a ramené qui t'a surpris? Est-ce qu'il t'a surpris à un moment donné sur sa manière de combattre?
Je sais pas. Non, il m'a. On s'attendait à tout, comme j'ai dit tout à l'heure. Il m'a factory avec mes coachs, Fernand, sparring partner, Cyril Gann, Ahmed Salamov, Eli. On a vu toutes les positions possibles. On a vu un peu du tout et il n'y a rien qui m'a surpris dans ce combat-là. Mais voilà, j'ai quand même peut-être que ce qui m'a surpris, enfin, c'est pas ce qui m'a surpris, c'est son mental. Enfin, il voulait pas lâcher l'affaire et je comprends parce qu'il était quand même, cette victoire-là pour lui, c'était très très important. Et voilà, je voulais juste dire désolé. J'ai vu qu'il était très déçu après le combat. Et il est encore jeune, il a que 23 ans et il va revenir plus fort. Voilà. Not really. I wasn't that surprised about anything, especially in MMA Factory. We work about everything. My coach, my sparring, Cyril Gann, Eli, Ahmed Salamov. I mean, I have so much people that I want to thank. And so we work about everything. What kind of surprised me was maybe the fact that he was very tough, like resilient, like he wouldn't tap, he wouldn't let go. So I was kind of surprised by that determination that he had. I don't know how much you've been able to watch backstage, but there have been a lot of guys performing very well so far tonight. That was a great win, but do you feel like you have competition to get a bonus tonight? Je ne sais pas si tu as regardé les autres combats, mais il y a eu pas mal de bonnes performances ce soir. Est-ce que tu penses que tu es en lice pour pouvoir avoir un bonus ce soir? Oh, bien sûr. En vrai, je l'avais oublié. Vous me l'avez rappelé. Let's go. Give me my bonus. He said, actually, I did forget that there are bonus in the UFC. Now that you remind me that there can be a bonus, please give me. Let's go. Give me my bonus. I know, obviously, you know, the team is more than one person, but can you talk about the confidence it gives you when you go to the corner and you have one of the heavyweight champions in Cyril Gann there to give you advice and support you? Je sais que une équipe c'est pas juste une personne, mais donne-nous un peu la sensation que ça fait d'aller dans un combat en sachant que l'un de tes hommes de coin c'est le champion du monde des poids lourds. C'est incroyable. Je savais qu'aujourd'hui il n'y avait pas d'autre choix que de gagner parce que ce mec-là il fait que gagner, donc il faut suivre. Il faut suivre. T'as pas le choix. Si tu perds, c'est pas bon. Et non, c'est incroyable. Merci infiniment à lui d'être venu. Et merci à Fernand Lopez, à Cyril Gann et PY qui était là aussi dans le coin. Houston est là. Thank you. That's kind of unbelievable. That's crazy to have such, you know, having someone like Cyril in my corner is amazing. Because this guy keep winning and I don't have a choice to win because he keep winning every time. It's that kind of pure pressure. And thank you to Cyril to have made it to come with me as a corner man, and I can't thank him enough. My final one, and this might seem a little bit odd, but obviously grew up in France, but also from Dagestan, which is a very popular country with MMA fighters, I don't have to tell you. Do you represent them both, or do you feel you represent one more than the other, Dagestan or France? Cette question va être compliquée pour toi, mais il faut quand même que je te la pose. Tu es né au Dagestan, tu vis en France. Est-ce que tu as l'impression que tu représentes plus l'un des pays, ou est-ce que tu représentes les deux, mais pareil? Je suis Dagestanais dans le sang. Dans le sang, ça coule le Dagestan. Et non, je représente les deux. En dessous, c'est écrit Dagestan, France, Dagestan. Donc non, il n'y a pas de souci. Je représente les deux. Dagestan is my blood. I have the Dagestan in my blood, and I represent both. France and Dagestan, and every time that they present me, you see under my name Dagestan and France. So don't get me in trouble. I think you have the best of both. Congratulations. Thank you. Thank you very much.
la question. Est-ce qu'ils connaissent Daguerre? Je peux juste dire. Juste qui look my brothers, Daguerre Imhoff. He said, he want to ask you guys, journalists, do you know who is Daguerre Imhoff? Vous connaissez? Because Daguerre Imhoff is my brother and is so stronger than me. And I need you to let people know and let Dana Ward know that my brother is out there very strong and they should sign him. Thank you.